Mais c'est dans le cadre de bien faire. C'est comme on le sait, le pont Federbe est sous contrat pendant 7 ans. Donc chaque année, on fait ce qu'on appelle l'entretien annuel. Et on y est dans cette période. L'entretien annuel a déjà démarré le 9. Mais sur le tablier, on a démarré le 13 pour une semaine. Donc pour l'instant, on a programmé ça jusqu'à vendredi pour le trafic alterné. Donc ici, il faut que la population comprenne que c'est dans le sens de bien faire. Donc si on laisse le pont comme ça, la route va se dégrader et ça c'est pas bon. Donc un ouvrage de ce tel genre, sur une somme de 19 milliards, donc ça demande vraiment un entretien. C'est pour cela donc on fait cet entretien. Donc il faut que la population comprenne cela. On n'est pas là pour faire autre chose, rien que de faire une bonne chose, de réparer. Ce n'est que ça. Et aussi, il faut que les gens comprennent aussi que le produit qu'on met ici, c'est un produit qui demande beaucoup de temps et aussi avec une bonne température. À cet instant, la température à Saint-Louis est un peu basse, c'est pas très élevé. Raison pour laquelle le temps de séchage est un peu lent. Voilà, donc comme je l'avais dit au départ, on présente toutes nos excuses à la population saint-louisienne et tous les usagers qui prennent le pont Federbe. Merci, je vous remercie.